que je rencontre, que pour Dieu chez lui-même, pour mon arme. Les chavos gaires chopiado per miei chez trouba. Mais Dieu, en leur petit choulier de ville, chez vigere et lampiade in l'herbe gourado de rougeado, ou boula d'un cauque j'ai coinchou de mouliere, ou belle lamba cauquerie seitivou. Mais, le malais genche à l'outrouba, faut craire, hérodeisa le début d'une garijou. Chifigio de li craire, qu'une l'outroubario. Et, une cotrouba, le brûlajou, la verruse, la dartre, comme un chavon deisa de chenna. Alors, qui est une libre de poésie écrite par Bénédicte Bounet, qui est chez Chun de Bruso à Siau, qui est le 13e libre qui est au publica. On a publica avant le Joyeux Sutero, qui a gagné le premier Flour de Prime, et Biola d'Aigo, et qui est le dernier parégu, à ma connaissance, qui est édité par Nouvelle Une, section Périgord de l'Institut d'études occitans. Que deux poèmes, qui sont plus simples, le monde pourrait croire que sont écrits par un enfant, qui est vrai qu'il n'est pas vieil, mais au passé, l'âge de l'enfance. Et que deux poèmes sont l'aimé de l'émougie. Parce que Bénédicte Bounet est d'origine lémougine, fut exilée à Paris, comme nombreux les Occitans et les autres qui ont travaillé un peu de temps à Paris, et quand tournait en Lémougie, tournait prendre contact le lingo, le terre et la culture occitane. Il faut croire que Colibayen, en vez d'écrire, deux poèmes, pas gairelou, dans une langue simple. Deux poèmes qui parlent de ce qu'il était à corps, et ce qu'il était à corps, qui peut sembler un peu passadiste, qui est le bien de vivre d'autres codes dans le pays, mais surtout, parce qu'il n'y a pas de l'ethnologie, ce que vous faites. Surtout le contact à la nature. Par exemple, il y a un autre poème qui me plonge plus, qui parle d'une lavadure entre le monde en avion et entre elle et Moana. Alors, ici, le poème fait le seguido à un autre poème, en te compte son expérience personnelle d'un facilier. Que le garrido quand on voit un gens d'une d'artre au Babignou. Un type qui élève le fio et que la maladie qui est liée au fio sur le peuple, là j'enlève. Et alors, ici, le poème que je suis décrit et que j'ai lésé, qui est le seguido et fait né leurs humains pour dire que. Pour parler de facilier, de type qui élève le fio. Et pour dire comment que le type fonctionne. Et que le type se fait désirer. Parce que la première partie de le garijou, c'est de faire le sami. Pour trouver que le type qui va dans la nature pour chercher ce qu'il fait métier pour guérir le monde. Si on a de la gerbe pour faire de la poussière, si on. Et qu'ils ont mai dit dans le poème, mais me semble que c'est le plus important, la force qu'elle y veut de la nature pour se servir de Chundu pour guérir le monde. Mais ce que je plais, c'est que d'abord, c'est un livre écrit par une femme, et elle est mougie d'un pays, la disparition de Marcello del Pastro, qui est notre maille à tout. Mais que bon, qui est une figure un peu mythique, c'est un faux dégazé, pense. De la fin qu'écrit en occitan les mougies, il n'y a pas tant que quoi. Et, secondement, qui perso que libre et de poésie, simple, mais ligado au terre à doux.
Hai tornato a trovare in quel libro dove hai di dire che sono mio, d'origine, perché io sono d'origine lemugino, ma sono fatto quello che già per un paio rigore, ma hai tornato a trovare in quel libro dove hai di dire, per esempio, dire me in place di io, dire l'utopia, di lo pensiero che ne parlo di un altro poema che mi piace tutto, parlo di un André per la valle utopia. È l'utopia che non è lo giusto in Cile per cugina, che è l'utopia in Hamburg. Che ancora che si faccia altre cose, ad un'epoca in cui il mondo si occupava della bestia, tanto come del mondo. Che a dire che io vivo tra la bestia e il mondo, una liga giù che ho disparito, che faceva il mondo fonde le vasi della, del vedeo e della vasa della pula in battorio. Alors, qui n'est pas un livre nostalgique, qui est un livre qui parle simplement de songes qu'elle tenait à cœur. Et comme je suis tout plein sentimental, le Jaffa qui tenait à cœur à quelqu'un qui est tout plein important.